question est très pertinente. Et ça vaut la peine de le dire. Et pas rester sur ce qui vient dit, son nom dit par le média. Le mythe de nos temps sont souvent des médias qui nous vendent un produit parce qu'il y a un commerce à dedans. Pas pour informer, mais pour vendre quelque chose. Et alors là, selon nous, la ville se positionne, il essaie de vendre le produit à leur clientèle. Mais quand on parle de l'église et des enseignements de l'église, là, il faut parler à la source. J'étais chez le Dominicain, je fais tout le temps chez le Dominicain, et c'est toujours aller à la source de les choses. Et le document en question, c'est un document très beau. C'est une grande réflexion. Et la première chose, je crois, qu'il faut tenir très très présente, c'est qu'on parle des personnes. Autant qu'on parle des personnes, les personnes vivent dans la condition humaine qui a des vertus et qui a des péchés. On parle deuxièmement de bénédiction. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? Qu'est-ce que c'est une prière? Qu'est-ce que c'est une vocation? Ça entre là-dedans. Alors, la personne, c'est quand même, il y a une certaine volonté. Et la violence n'est pas jamais justifiée. Selon moi, la violence n'est pas jamais justifiée. Et on doit quand même respecter la personne. Même si on ne sont pas d'accord avec la personne, mais il faut respecter la personne. C'est l'enseignement social de l'Église. Alors, quand on parle de bénédiction, on parle de prière, de vocation, et en tant que c'est une prière et une vocation, c'est quand même l'Église qui se penche vers la personne. Et je crois que le document vraiment reste à ce niveau-là. Il n'y a rien qui est changé dans la doctrine de l'Église. Mais on peut bénir une personne, même si la personne manque de la sainteté. C'est la raison qu'on prie, qu'on vote et qu'on demande la bénédiction. L'Église, on fait la bénédiction pour le droit, mais de l'autre chose. Pas seulement des personnes, mais aussi des objets. Et pas seulement des objets, mais aussi, on évoque la bénédiction par la création, même pour les animaux. Alors, c'est quoi une bénédiction? Ça ne veut pas dire que une bénédiction, c'est quelque chose qui va contraire à la doctrine traditionnelle, ancienne de l'Église. Mais c'est un signe concret de reconnaître que dans notre personne, qui est quand même dans l'image de Dieu, même si on sent des pécheurs, mais c'est dans l'image de Dieu, et quand même, l'Église veut bien cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on bénit un péché. Alors, mais je crois qu'il faut être très clair en ces choses-là. Mais je crois que le pape François a voulu être très
quand ça vient, quand on parle de ces choses, ça vient exporté de l'Occident. Et je me souviens, dans mon dernier poste, j'étais le moyen de corps. Alors, tous les ambassadeurs, vous venez vous rendre visite, Marie, le premier acteur, le ministre, c'était le moyen, et autant que j'étais le ancien apostolique, alors il y avait des affaires d'intérêt de visiter. Et on parlait de ce que c'est. À la fin, je ne laissais pas les Occidentaux partir sans parler de la question de la LGBT, et ils étaient étonnés que le monstre voulait parler de cette question. Et je le disais souvent, non, nous savons que vous avez des instructions et que, voilà, vous voulez faire présent, projeter, pousser cet agenda. Je l'ai dit. Je crois qu'on soit d'accord dans certains points. Le premier point, c'est que la violence n'est pas permise. Même dans une société traditionnelle, on ne peut pas se permettre la violence. Parce que une erreur n'est pas justifiée pour une deuxième erreur. Alors, ils étaient d'accord. La violence n'est pas justifiée. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même qu'on respecte les personnes. C'est qu'ils ont une autre façon de penser. Même ceux qui pensent d'une façon bien traditionnelle, il faut les respecter. Et il ne faut pas dire que ce qu'on trouve dans l'Occident, c'est mieux que ce qu'on trouve ici. On ne voit pas de preuve que cet encadrement de l'Occident est mieux que ce qu'on a ici. On ne voit pas de preuve concrètement. Mais quand même, respecter la non-violence, respecter les personnes, je crois que c'est la base essentielle. Troisièmement, je disais, franchement, vous de l'Occident, est-ce qu'il faut vraiment créer une troisième guerre mondiale pour une chose de cette grande-là? Alors c'est clair que quelques-uns vous ont dit, vous avez raison, et là ça a devenu une idéologie pour l'Occident. Mais pour l'Église, dans l'Occident et dans le monde, on ne peut pas rester indifférent aux questions du jour. On ne peut pas rester ignorer ce qui sont les vraies questions aujourd'hui dans l'Occident. Et l'Occident a une grande capacité d'exporter toutes sortes de choses dans le monde. Et je crois quand même qu'il faut parler de cette question. Parce que moi, on est ici. C'est une question de temps. Peut-être en 5, 10, 15, 20 ans, ben ça va arriver ici. Et les Camerounais ont une grande capacité humaine, et on le voit, une grande capacité. Ils n'ont pas besoin que l'Occident vienne dire au Cameroun, expliquer certaines choses, parce que les Camerounais ont une grande capacité humaine de voir la personne comme une personne. Et à sa propre façon de garder cette dynamique, si on veut. Moi, autant que mon souci, je vois que l'Église du Cameroun appartient au Cameroun. Et ce n'est pas à moi, que ce soit, de venir dire au Cameroun comment est-ce qu'il faut être église. Vous avez des instruments. Vous savez où vous voulez arriver. Nous, on peut vous accompagner tel comme vous nous
when you see these, mais je pense qu'on s'en va visiter autre moment. Et alors, pour les personnes dans l'Occident, au plus, qui s'identifient autrement, il faut quand même aussi les prendre au sérieux. Même si on ne s'en pas d'accord avec leur encadrement des choses. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un geste de charité et de respect. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. J'ai pris le salut de différents aspects là-dedans. Mais la doctrine de l'Église n'a pas changé. Une bénédiction, c'est quand même une prière et une invocation de Dieu vers la personne. Qui, quand même, si c'est une bénédiction dans le sens de notre tradition, ne traduit pas la fonction. Bienvenue sur la chaîne YouTube David 237. Ici, vous trouvez un contenu varié et divertissant. La chaîne YouTube David 237 partage des vidéos sur différents sujets, notamment sur le sport, l'actualité, l'actu people, des vlogs et bien d'autres encore. Rejoignez la chaîne David 237 dans ses aventures et découvrez des histoires inspirantes et du moment de vie captivant. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer sur des vidéos de David 237 et faites partir d'une communauté engagée et passionnée. J'espère que nos vidéos vous ont édifié, on vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Love Coach. Donc là, c'est coach en développement personnel et je suis coach en séduction et en image. Bon, bonjour les amis, nous sommes là pour vous accueillir et vous présenter globalement une partie de nos équipes. Nous avons Christelle et Euphrate de Hermanos, donc Christelle Hermanos Love Coach. Nous sommes là pour vous accompagner pour votre vie affective, pour votre vie amoureuse. Et aussi, surtout, avant tout, pouvoir vous retrouver. Et pouvoir trouver le bonheur. Et pouvoir être heureux. Et pourquoi pas trouver l'homme de votre vie. Ou la femme de votre vie. Les amis, ce qui est intéressant, nous avons une approche globale. Une approche globale qui vous permet de vous retrouver en ayant confiance en vous. Et de sortir de tout ce qui est friend zone. Ou de sortir de tout ce qui est relation toxique. Ou de relations ou des ruptures affectives, tout ça, ça va être le passé. Vous allez tourner la page vers quelque chose de plus radieux, de plus positif. Nous sommes là pour vous accompagner. Ensemble, on va y arriver et vous retrouverez le sourire et le bonheur. Et le bonheur. Sur ce, si vous voulez avoir plus de nos vidéos, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. On a Instagram, on a Twitter ou Snapchat. Donc, qui pourra peut-être changer votre vie. À bientôt! À bientôt les amis! Bonjour les amis!